qui dit rentrée dit nouvelles habitudes et surtout nouveaux profs et amis. S'habituer à son nouvel environnement, ce n'est pas évident, surtout si vous êtes timide. On va pas se mentir, les rentrées ne sont pas toutes pareilles. Collège, lycée, prépa ou université, chacune possède son lot de surprises et d'attentes. Mais dans cette vidéo, on ne s'attardera que sur la partie collège. Pour le collège, les classes restent les mêmes, enfin à mon époque. Donc pas de grands changements ni surprises pour la rentrée. Hormis pour le passage en 6e où là, tout se construit réellement cette année-là. Mais ce truc le plus embêtant cette année-là, c'est d'avoir un élève ou un groupe d'élèves qu'on déteste et qui vont rester avec nous pour les 4 prochaines années. Dans ces cas-ci, on va tous adopter la solution suivante, la passivité. Bah oui, ça peut paraître étrange quand on est un peu plus grand, un peu plus adulte, mais quand on vit ces moments-là en tant que collégien, et bah c'est douloureux. Le temps ne passe pas vite, on est ensemble sur toutes les matières, et surtout, on se prend les mêmes balles perdues pendant toutes ces matières. Et si t'as le malheur d'être pauvre et de pas avoir beaucoup d'habits à changer tous les jours, il a épousé ses habits lui. Ce type de harcèlement est très courant, on va pas se mentir. Bien que ces comportements soient inadmissibles, ils reflètent souvent un fond de frustration, de peur ou d'angoisse de la part de celui qui les fait. Tout n'est pas noir ou blanc, donc chercher par la force à régler les choses n'arrangera rien. Le mieux, c'est soit d'ignorer, soit d'endurer avec beaucoup beaucoup de courage que l'année passe et ainsi d'avoir une nouvelle classe et de meilleures années. Et le pire dans tout ça, c'est que les profs ne pouvaient rien faire car dans une ZEB, c'est commun d'avoir des attitudes dites sauvages. On va pas se mentir sur ce point, insultes et bagarres sont réputées au collège et notamment en ZEB. En général, ça se règle assez rapidement et ce type d'élèves finissent même par se faire exclure. Pour ma part, je me rappelle en 4e, m'être pris une injure raciale au calme en plein cours, dans un silence incroyable et surtout devant notre professeur principal. Et tout cela sans aucune réaction de sa part. Bon, heureusement que ce n'est pas allé plus loin et qu'on a pu finir en bon terme cette année-là. Subir ce genre de problème peut développer chez certaines personnes de grands manques de confiance, voire des peurs de retourner en cours. Et si le harcèlement est trop dur à supporter, il faut en parler à ses parents au plus vite pour trouver la meilleure solution, car ils sont là pour toi. Dans mon cas précis, j'ai toujours pensé que le mieux à faire, c'est de trouver des personnes qui ne sont pas faussement cool, mais avec qui on partage de vrais centres d'intérêt. Comme ça, vous aurez un point commun, simple et fort, pour tanker l'année, et surtout, vous pourrez partager les mêmes passions, ce qui fera que les journées passeront plus vite et seront plus agréables. Aujourd'hui, il existe un bon nombre de supports pour trouver des passions communes. Les services spécialisés en anime, Naruto, Dragon Ball, One Piece ou encore My Hero Academia, les services spécialisés en séries ou films, type DC Comics ou autres Squid Game, formez vos propres groupes avec cet esprit shonen, car c'est en étant unis qu'on se sent plus fort et plus serein. Restez soudés, amusez-vous avec vous. Délire et tout ça sans avoir honte du jugement des autres car leur avis ne regarde qu'eux-mêmes. Donc entourez-vous de gens bien et surtout restez toujours fiers de vous. Salam animé à toi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Partage-moi en commentaire comment s'est passée ta rentrée et si tout va bien dans ta classe. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. En te souhaitant paix et sérénité, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.